Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en. Comment vous vous assurez de donner un service de qualité? Bien, ici, faut comprendre que la formation, là, c'est dispensé par le ministère de l'Éducation. Oui. C'est encadré par le ministère. Donc, il y a des programmes d'études avec des compétences spécifiques à développer. Puis, à ça, bien, nous, on a toute une équipe pédagogique qui encadre les enseignants, qui s'assure que les compétences à développer sont respectées, puis que... On essaie aussi d'avoir des équipements à la fine pointe de la technologie. Vous avez vu lors des récents tournages que vous avez fait aussi des types d'équipements qu'on a, je pense, oui. En voirie, battage. On vient de l'an passé, on a fait l'acquisition d'un transporteur neuf. Il y a 2 ans, c'était une abatteuse neuve. C'est pas du matériel. Non, ça coûte pas ouais. 50 $. Ouais. C'est quand même assez dispendieux. Mais tout ça, ben, je pense que c'est différents facteurs. Il y a aussi un aspect, ça je pense que le mérite vient vraiment aux enseignants. On a une équipe qui est vraiment dynamique. C'est des gens de métier, c'est des gens qui sont passionnés. Ça fait que là, quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, un développement de notes technologiques là, informatisées. C'est-à-dire qu'à partir du programme d'études, ils ont toutes monté leurs notes technologiques en fonction de l'informatique. À titre d'exemple, ils suivent le programme d'études. Après telle journée, on doit être rendu ici. Ils pèsent sur un lien, le PowerPoint est là. Puis ils l'ont partagé à l'ensemble de l'équipe. Si on a une équipe d'enseignants, de 10-12 enseignants, bien, tout le monde a accès au même document. Ça veut dire que chacun y met son grain de sel selon ses connaissances, approfondit les notes technologiques. Puis ils rendent ça accessible à tout le monde. Fait que je pense que ça mérite d'être souligné aussi. Là. C'est, oui, puis c'est pas tous les enseignants qui travaillent de cette façon-là. Non, vous avez raison, mais on a très bien senti en rencontrant les étudiants que les enseignants étaient des enseignants de qualité par les commentaires. Content de le savoir, mais ça se reflète aussi de par les évaluations de satisfaction des élèves. Parce qu'à la fin de chaque formation, on rencontre tous nos élèves et on fait passer un questionnaire un peu comme ça se fait dans les universités là, à la fin d'une formation. Puis, ils sont libres d'écrire. Il y a des questions spécifiques. Ils cochent entre très bien ou passable, si vous voulez. Puis, ils peuvent émettre des commentaires. Puis, ils sont tous regardés attentivement. Puis, lorsqu'il y a quelque chose qui nous chatouille un peu plus, là, bien, on fait des rencontres avec les enseignants pour essayer de voir comment on peut améliorer la situation. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. On va un peu explorer ton travail, en fait, qu'est-ce que tu fais? Toi, au départ, tu es là pour travailler avec les enseignants sur les programmes, c'est ça? Oui, surtout ça, oui. Mais ça consiste à quoi exactement? C'est pour les aider à progresser, à mieux enseigner? Oui, c'est les aider à donner des leçons, des cours et leçons avec le programme d'études, les tableaux d'analyse. Faire sûr que tout le monde enseigne bien ce que le ministère nous demande d'enseigner. Fait que je fais sûr que tout le monde suit bien les programmes d'études puis les tableaux d'analyse. Puis aussi, je travaille sur les évaluations. OK. Puis quand tu parles de tableau d'analyse, c'est pour vérifier que tout a été bien enseigné? C'est ça. On s'entend bien que tout enseignant, il sait que les évaluations sont prises dans le tableau d'analyse. OK. Fait que quand quelqu'un est issu du tableau d'analyse, il est sûr que quand il arrive à l'évaluation, l'étudiant a bien eu toute la formation nécessaire pour passer l'évaluation. Puis comme tu es conseiller pédagogique, j'imagine que des fois, les enseignants arrivent avec des problématiques puis venir te voir pour que tu les aides. C'est ça. Moi, ça fait, j'ai enseigné pendant 15 ans. Fait que il y a des enseignants, des fois, qui vont venir me voir pour une problématique de gestion de classe ou une situation qui vit. Fait que là, à ce moment-là, je peux les aider de mon expérience que
que j'ai. Puis là, je lui transmets ça. Fait que ça les sécurise un peu. Ils disent, ah, ben, écoute, ben, on voit qu'il y a quelqu'un qui a déjà connu ça, puis ça les aide, puis ça les sécurise. C'est quoi la problématique la plus récurrente qui revient le plus souvent, en fait, là? Ben, pour ce que j'ai, moi, c'est ce que j'ai le plus souvent, c'est les jeunes enseignants qui arrivent ici, là, qui n'ont jamais enseigné, mais comme ils connaissent bien la matière, mais qui ne savent pas quoi enseigner. Ils disent, ah oui, c'est bien, je connais le métier, mais j'aimerais ça savoir un peu. Ça fait que nous autres, on a intégré une espèce de fichier central qu'on appelle, que tous les programmes d'études sont tous dans un fichier, dans un portail à la commission scolaire. Ça fait que sont tous montés en lien avec les programmes d'études, sont tous en temps réel, puis sont... C'est ce qu'on appelle le fichier central des cours et leçons informatisés. En plein ça. Ça veut dire que l'enseignant, lui, il arrive, puis même s'il connaît bien sa matière, il ne sait peut-être pas nécessairement pédagogiquement quel chapitre faire avant, etc., puis là, vous lui indiquez un peu la marche à suivre. C'est ça. J'explique c'est quoi, comme je disais tantôt, les programmes, c'est quoi les comportements attendus qu'on s'attend qu'il va enseigner, puis le cours est monté en fonction de ça. Puis lui, il a juste à suivre le fonctionnement, fait qu'il ne peut pas se tromper, il enseigne bien tout ce qu'il faut que l'élève sache. OK. Puis ça aide aussi si, par exemple, il est un remplacement au nouvel enseignant, il peut reprendre à brûle pour point un cours, puis il sait exactement où les étudiants sont rendus. Exactement. On peut travailler vraiment là, n'importe quel temps, il peut arriver n'importe quel enseignant pour un remplacement, puis c'est pas une problématique comparativement à ce qu'on avait avant. Puis pour les étudiants, c'est sécurisant aussi, parce qu'eux, j'imagine qu'ils ont des guides, des manuels, puis ça a un lien avec la matière enseignée. C'est ça. Quand on débute le cours, il y a tout le temps comme une espèce de syllabus qu'on explique à l'étudiant. Voici ce qu'on va voir, les comportements attendus. Puis quand on vient les journées d'après, bien, on dit, on a vu ça, on est rendu là, le comportement attendu A, B, C. Puis ça fait que tout le monde est sécurisé. L'enseignant est sécurisé, l'étudiant est sécurisé. Il dit, professeur, il sait ce qui s'en va. Moi, je dis, OK, s'il sait ce qui s'en va, normalement, tout le monde est bien là-dedans. Puis ça, bien, je veux dire, ça a dû être long à monter une banque comme ça, parce que vous avez quand même beaucoup de cours. Oui, on est encore en train d'en monter. Il faut tout monter, tous les programmes puis tous les modules. Ça fait beaucoup, mais il y a des options qui sont finies. Là. Il y a des options qui sont déjà pas mal avancées, puis il y en a d'autres qui sont en processus, puis il y en a d'autres qui vont commencer. Puis quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, par exemple, il faut vous remettiez tout ça à jour? Oui. Chaque personne qui vient ici, qui enseigne, il prend le contenu, puis après ça, il va l'améliorer. On s'attend que c'est pas statique. C'est toujours une amélioration, toute amélioration continue. Ça fait que s'il y a une nouvelle... comme tu disais, une nouvelle technologie où l'enseignant, lui, a d'autres contenus qu'il peut inclure dans le fichier, il le fait pour l'améliorer. OK. C'est génial. Ça aide beaucoup le travail. Tu t'occupes aussi de la reconnaissance des acquis. C'est que je me trompe? Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de... Toutes les personnes qui veulent se faire reconnaître les expériences de travail, de connaissances, ils viennent me rencontrer, puis on fait une première entrevue. Puis après ça, on leur fait remplir le portfolio. Ça fait que là, ils vont s'auto-analyser, ils vont voir leurs connaissances. Ça fait que là, un coup que ça s'est fait, ben là, moi, je lui fais rencontrer un spécialiste de contenu. Puis là, on valide ce que lui, il s'est bien auto-évalué, faire sûr qu'on s'entend bien. Là, d'abord, la reconnaissance d'acquis, c'est que tout le monde, ça, à part que s'il y a des équivalences qui sont reconnues d'un autre cours, là, toutes les autres modules, toutes les autres compétences, il faut que c'est évalué. Je dis ça à la personne. Là, on parle, par exemple, d'un travail. Moi, j'ai une certaine expérience à faire ça, puis tu peux valider que ça, c'est pertinent, en fait, pour reconnaître un acquis. C'est ça. Toujours en lien avec le programme. OK. Quelqu'un peut dire, moi, j'ai opéré des machines pendant plusieurs années. Je dis, oui, mais est-ce que ça correspond vraiment au programme? Fait que là, on l'analyse avec lui, puis on parle avec lui. Puis là, je dis, ben moi, si mon but, c'est de t'emmener à l'examen. Il faut que je t'emmène à l'évaluation. OK. Donc, à partir de là, on dit, gars... je pense que sur 120 heures, dépendamment des fois, je peux dire tu vas évaluer seulement. Tu vas dire, gars, ce que tu me parles, je peux t'évaluer. Par contre, d'autres fois, il va te manquer d'informations manquantes. Fait que là, on va dans la deuxième processus. Là, on fait un autre tableau synthèse, puis on dit, bon, ben là, gars, pour ta formation, pour avoir ton DEP, il va te manquer 300 heures sur 900, puis là, tu vas avoir pour avoir ton DEP. Okay. Donc, ça, on a fait beaucoup de reconnaissance d'acquis. Wow. Je sais que vous avez aussi un programme d'alternance travail-études, c'est ça? Oui. Ça veut dire que les étudiants peuvent partir en stage? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que l'étudiant, il faut qu'il fasse au moins 20% des heures du programme en alternance travail-études, puis il faut qu'il aille au moins deux fois en entreprise. OK. Fait que là, il fait une partie en classe. Quand il a maîtrisé les savoirs de base, on peut dire après là, 200 heures, là, il va compléter sa formation. On appelle ça développer la compétence. C'est vraiment un développement de compétence, une continuité du programme. Là. Les mettre dans l'action. Mais ils ont la même formation que s'ils étaient en classe, mais c'est en entreprise.
Fait que là, il y a un responsable en entreprise qui va superviser l'étudiant pour faire sûr. Nous autres, on rencontre l'entreprise, puis on lui explique comme il faut c'est quoi son rôle. Il devient un peu comme un enseignant. Il ne fait pas des évaluations sommatives, mais on fait des formatives. Okay. Mais il devient un peu comme notre enseignant. Fait que faut qu'il prenne ça au sérieux. On ne peut pas dire on envoie un étudiant, puis vas-y faire d'autres affaires. Il faut que ça soit en lien avec le programme d'études parce qu'il faut qu'il fasse le développement de la compétence. Si c'est soudé SMAW, bien, il faut qu'il continue à souder SMAW. Okay. On ne peut pas y faire balayer le plancher. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui prennent ça comme ça. Là. Non, la tendance à l'étude, c'est sérieux. Il faut qu'on suive un processus, le programme. Il y a des évaluations. L'élève revient toujours à la fin se faire évaluer à l'école. Okay. Jamais. Il pourrait toujours se faire évaluer en entreprise, mais c'est l'école qui va en entreprise puis qui fait l'évaluation sommative. Puis l'entreprise, lui, a à remettre, j'imagine, un rapport de stage ou expliquer qu'est-ce qu'il a fait et puis comment il l'a fait. C'est nous autres qui préparons les rapports. Nous autres, on prépare tous les rapports puis les documents que ça prend pour que lui sache là, vraiment c'est quoi qu'il faut qu'il évalue tout le long que l'enseignant est avec lui. Puis il y a un enseignant qui va faire une visite régulièrement pour être sûr que l'étudiant est bien, l'entreprise est bien là-dedans puis que tout le monde y retrouve son compte. Puis est-ce que c'est difficile de recruter des entreprises pour envoyer les étudiants travailler là-bas? Non. Les entreprises, ils coopèrent bien, ils aiment ça, ils veulent avoir. C'est quoi l'avantage pour l'entreprise de faire ça? L'avantage pour l'entreprise, c'est d'avoir accès tout de suite à de la main-d'œuvre qui peut évaluer. Ils peuvent arriver et dire gars, si je t'avais pas pris en stage, si je t'avais pas évalué de même, j'aurais arrivé pour te prendre, j'aurais pas pu te connaître. Là, je le connais bien, il a travaillé pour moi. Dans mon entreprise, il fit bien, il s'est acclimaté, il fonctionne bien avec tout le monde. Fait que pour lui, ça lui fait une banque de noms que quand il a besoin de main-d'œuvre, ben il dit je travaille déjà avec le CFP, j'ai déjà une main-d'œuvre que j'ai accès. Puis c'est surtout ce côté-là. Parce que c'est certain qu'au point de vue production, il ne peut pas dire il va remplacer un autre qui est habitué. C'est impossible parce que quand on est. Moi, ça le dire parce qu'il y en a des fois qui pensent qu'un DEP, quelqu'un sort de là puis il connaît le métier. Il est au seuil du marché du travail. Oui, il faut qu'il fasse son expérience. Il faut qu'il fasse son expérience parce qu'il est juste au seuil du marché du travail. Il connaît un peu tout, mais il ne faut pas qu'il s'attende qu'il y ait quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. Ça, c'est son rôle, c'est leur rôle à eux autres d'amener l'étudiant à où ce qu'ils veulent l'amener pour que c'est compétent. Y a-t-il un bon pourcentage de jeunes qui vont se placer auprès des entreprises où ils ont fait leur stage au fil du temps? Ou? Oui. Ça, le taux de placement est plus élevé quand les étudiants vont en stage. Là, c'est sûr qu'ils se font. Le stage, c'est une manière de vraiment d'eux autres de se faire connaître. Hein. C'est vraiment là. C'est sûr que le taux de placement. De voir la réalité de l'entreprise aussi, savoir si tu aimes ça. On dit souvent, tu sais, apprendre quelque chose, c'est quelque chose, mais quand tu le fais tous les jours, de voir comment tu aimes ça et comment tu es bien là-dedans aussi. Là. C'est ça. Il y a des élèves, des fois, qui. Moi, j'ai vu des élèves qui ne voulaient pas y retourner. Ils disaient, non, c'est pas. J'aime mieux faire mon cours à l'école. Là-dedans, je me retrouve pas. Je suis pas assez encadré. J'aime mieux l'école. Fait que c'est beau. Je choisis l'école. Il s'en vient à l'école. Il continue sa formation à l'école. Puis c'est ça. C'est pas adapté. C'est pas pour tout le monde, la tendance à l'étude. Il y en a qui. Ils ont besoin de plus d'encadrement que d'autres. Fait que ça, c'est pas pour eux autres. Il faut que c'est autonome pour aller en attendant ce voyage. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui nous tiennent beau pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Combien d'étudiants fréquentent le CFP dans une année? Puis c'est quoi leur taux de diplomation? Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Bien, on a, à un des services offerts, là, on a un service de placement qu'on appelle. Ouais. Service de placement, c'est pas de savoir, bon, mais regarde, un employeur qui a donné son nom pour avoir des élèves, tu pourrais aller là. C'est plus de savoir si nos élèves se placent. Donc, à la fin de la formation, à l'intérieur de 3 mois, on fait tout un recensement à savoir. Est-ce que nos élèves se sont placés? Est-ce qu'ils ont retourné aux études? Est-ce qu'ils ont, tu sais, s'ils travaillent, c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est dans le domaine d'études et ainsi de suite? Fait que ça, on a ce service-là. Puis, je vous dirais que c'est variable d'une option à l'autre, parce que c'est sûr que je vous dirais que, voilà 2 ans, le taux de placement, exemple, en voirie forestière, c'était vraiment aux alentours de 86 à 90 %. Puis, avec un peu tout ce qui se passe, la construction qui est à terre, c'est un petit peu plus difficile. OK. Fait que, tu sais, ça varie d'une année à l'autre.
Il passe en moyenne, je vous dirais qu'on ouvre environ entre 500 et 700 dossiers annuellement. Okay. Ça, ça veut dire que c'est des élèves qui viennent fréquenter notre organisation. Puis ce qui est difficile aussi de comptabiliser, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, le cours qui commence au mois de mai, donc c'est pour nous, c'est un élève qui s'est inscrit comme en 2014-2015. Mais lorsqu'on change d'année scolaire… Il chevauche deux années. Là. C'est ça, il chevauche deux années. Donc, il va être diplômé, par exemple, en 15-16, mais il va être comptabilisé comme 14-15. Fait que c'est… En moyenne, c'est environ entre 500 et 700 élèves par année. Puis là-dessus, combien… est-ce qu'il y en a qui abandonnent? Tu sais, le taux de diplomation, ça varie autour de combien, à peu près? Bien, le taux de diplomation, c'est à 87 ou 88 cette année. Okay. Parce que nous, là, de par les redditions de comptes qu'on doit faire au ministère, on avait un objectif de garder notre taux de diplomation en moyenne à 86. Il y a une année, voilà un an ou deux ans, où ce qu'on n'a pas atteint, on a atteint 84 point quelques pourcents. Puis, avec les petits correctifs qu'on a mis en place, on respecte la cible de 86 et même plus depuis les deux dernières années. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Bonjour, je suis avec Marc-Claude Parent. Tu es agente de développement au CFP, c'est bien ça? Au service de formation aux entreprises. D'accord. Qui est une branche parallèle à nos centres de formation professionnelle, mais une entité bien entière à l'intérieur de notre commission scolaire, qui est celle du PDWA. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à occuper ce poste-là? C'est quoi ton parcours avant d'être ici, toi? Bien, moi, avant d'être ici, on m'a beaucoup connue pour le parcours que j'ai fait dans le monde des communications. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé ma carrière, moi, au musée Louis-Aymont, comme agente de promotion au niveau des expositions. Donc, j'ai débuté à Péribonka pour ensuite occuper des fonctions de journaliste au quotidien. Pendant 3 ans, j'avais le secteur Maria Chapdelaine qui m'était affecté. Parallèlement à ça, j'ai été animatrice à Radio-Canada pour une émission jeunesse qui s'appelait Squad 002. Et depuis les 8 dernières années, j'occupais les fonctions là, de conseillère en communication à la commission scolaire du PDWA. Et depuis cet été, me voici arrivée au service de formation aux entreprises à titre d'agente de développement et conseillère en formation. OK. C'est quoi ton travail exactement? Agent de développement, ça reste vague, là. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bien, nous, notre principale carte de visite, c'est la formation, donc le développement des compétences, et on s'adresse au marché de l'emploi. Alors, on a deux types de clients. On peut avoir l'entreprise qui est un client, mais on peut avoir l'individu également. Okay. Donc, si on parle de l'entreprise, les gens, pour multiples raisons, ont un besoin en formation, que ce soit l'arrivée d'un nouvel équipement, une nouvelle loi au niveau de la CSST, l'arrivée d'un nouvel employé également qu'on a à former sur nos façons de faire. Eh bien là, on me contacte et avec le client, on détermine réellement quel est son besoin. Suite à ça, nous, on regarde la ressource qui peut être affectée à ce mandat de formation-là. Et là, on bâtit sur mesure la formation pour notre client entreprise. Suite à ça, on peut avoir également l'individu. Okay. L'individu qui est dans un cheminement de carrière, qui veut changer, qui ne veut pas nécessairement s'orienter vers un DEP, mais qui veut plus parfaire des connaissances, des compétences. Mais là, on peut l'intégrer à des groupes et monter, lui offrir des formations existantes. On a également le Centre local d'emploi, oui. Donc Emploi Québec, qui eux font également appel à nous. Donc, on peut y aller avec eux sur le volet entreprise, toujours pour bénéficier de financement pour la réalisation de projets de formation, mais aussi du côté individuel, où là, on crée des formations pour ramener les personnes qui sont un petit peu plus éloignées du marché de l'emploi à les remettre en activité et à réintégrer le marché du travail. Le meilleur exemple, c'est la formation en taxidermie qu'on vient de démarrer en partenariat avec Bilodo Canada et le Centre local d'emploi Maria Chapdelaine, où on a des gens en formation présentement pour obtenir la compétence professionnelle de taxidermiste. Donc, nous, on ne diplôme pas, mais on offre de la certification et de l'attestation de compétences professionnelles qui sont reconnues sur le marché du travail. Fait que t'aides l'entreprise un peu à se créer de la relève ou à avoir des employés, en fait, qui ont vraiment les bonnes compétences. Effectivement. Dans le fond, le travailleur qui est dans l'entreprise va avoir un contact direct avec la réalité parce que nous, on travaille sur le terrain. Donc, on va adapter ses techniques, ses apprentissages, ses connaissances.
Donc, c'est un élément qu'on fait avec eux. On peut faire de l'évaluation également, de l'évaluation de poste, de l'évaluation de compétences, mettre par la suite un plan de formation individuel pour chaque personne. On peut créer des tests de sélection lorsque c'est le temps de faire de l'embauche de personnel pour s'assurer que la personne ait la bonne maîtrise du logiciel. C'est facile de dire en entrevue « oui, je connais ça ». Oui, rendu sur le terrain, exactement, ça peut être d'autres choses. Donc, nous, beaucoup au niveau du secrétariat, de la comptabilité, parce qu'on fait intervenir nos enseignants du CFP, mais d'autres ressources externes également pour réaliser nos mandats de formation. C'est pas Marie-Claude Parent qui arrive en entreprise pour réaliser le mandat de formation, c'est réellement des experts de contenu. Donc, avec nos ressources, notamment en enseignement ici, bien, on peut dire, pour tel logiciel, quel exercice serait pertinent à faire réaliser? Nous, on monte les exercices, on les présente à l'employeur, il nous les autorise et on peut même s'assurer de la passation du test. Donc, on les fait venir ici dans nos laboratoires informatiques, ils passent le test, on crée un tableau de comparaison, validation, puis après ça, l'employeur repart avec ça pour faire son choix. Wow! Puis comment, c'est quoi les grandes difficultés en fait face à, tu dois avoir des défis, les entreprises ne vont pas nécessairement toujours être ouvertes, des fois ils veulent faire ça en vase clos, je ne sais pas, c'est quoi les plus grands défis que tu as? Je pense que le plus grand défi, c'est de savoir que le service de formation aux entreprises existe. Oui, de le faire qu'il connaître. Qu'il soit connu, effectivement. On a des clients de longue date qui, automatiquement, le système, le réflexe, c'est fait. De nous appeler. Si on pense à des entreprises comme Résolu, on travaille beaucoup avec Résolu, avec des grandes entreprises de camionnage aussi. Mais la PME, la petite entreprise, je ne suis pas certaine que le volet formation, premièrement, ce n'est pas une tâche quotidienne. Donc, je ne suis pas certaine qu'elle sait qu'elle a la possibilité de faire former son personnel et, nonobstant, la possibilité de savoir qu'il peut même y avoir du financement de rattaché à ça. Parce que même si on fait partie de la commission scolaire du Pays des Bleuets, nous, on a un taux horaire. Okay. Donc, lorsque l'entreprise nous appelle, on discute avec elle pour bien identifier son besoin, on dépose une offre de service qui s'accompagne d'une soumission. Donc, il y a un coût à faire former ses employés, mais on peut obtenir du financement parce qu'on a des acteurs du développement économique qui travaillent avec nous. Nous, on a établi des partenariats. Okay. Donc, on veut offrir aussi un produit clé en main. Oui. À l'entreprise. Fait que ça n'a que des avantages, en fait, pour une entreprise. Bien, je pense que oui. Puis surtout qu'on se déplace en entreprise pour offrir également la formation. Donc, nous, quand on a convenu que l'offre de formation répondait aux besoins, bien, à partir là, mon travail continue. Je trouve mon formateur, on établit la date au calendrier, eux, ils forment le groupe au niveau de l'entreprise. Nous, on arrive avec le formateur, on dispense la formation. L'entreprise, après ça, nous salue hein, avec gentillesse. On repart et moi, suite à ça, je fais tout le suivi administratif de mon côté. Ils reçoivent la facture, puis eux, ils poursuivent leur activité. Le gros avantage de l'entreprise d'avoir de la formation, c'est de s'assurer sa place, son positionnement sur le marché. S'il a un travailleur bien formé, donc inévitablement, il va être compétent, l'entreprise va être plus productive, plus compétitive. Donc, elle assure sa place sur le marché. Et la formation, c'est la ressource humaine. Donc, oui, un carnet de commandes bien garni est intéressant pour une entreprise, mais avoir la compétence aussi, l'état en plus, effectivement. Puis moi, avec mon côté développement, parce que j'ai toujours mangé du développement, des projets de développement, bien, si mon entreprise est plus productive, c'est des emplois assurés dans mon milieu. Des emplois assurés dans mon milieu, c'est une vitalité économique. C'est un rayonnement communautaire. Donc, on contribue à ce développement-là de nos milieux. Puis c'est réellement un endroit où je souhaite participer et contribuer. Et au niveau du service de formation aux entreprises, c'est possible de le faire.
Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, tout sur tout, qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs, bonjour, sergent! Mais là, sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLD9, on est productifs. Là, c'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Ta fille venait toujours te voir pour te demander de l'argent. Vous cherchiez une place pour vous asseoir avec les autres résidents? Personne ne voulait de vous. Il y en a un qui a commencé à traiter de vieille peau qui ne pouvait pas se tenir debout. Tu le savais un peu, mais c'était ta seule visite. Je me suis demandé comment une personne qui a une grand-mère peut faire ça. Vous avez été obligée de vous asseoir toute seule à une table. Pour le soir de Noël. J'ai rien dit. J'aurais dû aller voir une ressource d'aide. Si je pouvais revenir en arrière, je dénoncerais. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrais à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui nous tiennent beau pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service.